c'est à tout. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Wall de Dishonored. Il est en vie. Donc, merci, Corvo, merci. Mon oncle est un brave homme, et un jour il le prouvera. J'espère qu'il le prouvera. Tenez, je sais que vous avez agi pour les bonnes raisons, mais je veux vous offrir cette récompense. C'est un vieil héritage que je tiens d'une de mes tantes. 100 pièces. C'est ça qu'un vieil héritage que t'as pour. Puis-je vous être utile ? Oui. On vient pour masque 2, on va acheter ça. Complément de charme. J'ai dit qu'il y aura anesthésion. Qu'il y aura d'arbalète, j'en ai 10. J'ai des grenades. Ça, on va laisser sur le côté. Amélioration. Réserve de carreau. Et voilà. Normalement, je peux mettre. Note. Non, charme d'os. J'en ai pas que ça. Quoi il veut là? Nous devons trouver la fille. Votre attention. Qui sait ce qu'elle a en tête après avoir vu sa mère sur cette rive nord. À mon avis, la fille d'une impératrice est plus solide que vous ne pensez. Vous avez réussi. Vous nous avez débarrassé du grand superviseur Campbell contre toute attente. Je savais que vous étiez notre homme, Corvo. Avec Campbell en moins, le Lord Régent est grandement affaibli. Et avec Martin, nous avons le meilleur stratège possible. Pendleton, c'est un traître, non? Le Lord Régent doit sûrement se faire dessus à Dunwall Tower. Oui, et le journal de Campbell, ne l'oublions pas. Notre espoir, c'est que dans ces pages codées, nous puissions trouver l'emplacement et l'état actuel d'Emily Caldwin. Tous nos efforts seront vains si nous ne mettons pas le bon héritier sur le trône. Nous devons faire vite. Le Lord Régent détient forcément Emily quelque part. Il attend pour la dévoiler, et jouer les héros, afin de renforcer sa régence. S'il ne s'affiche pas avec la demoiselle sous peu, la noblesse va s'entre-déchirer pour la succession de l'impératrice. Oui, le temps joue contre nous. Mais pour l'heure, allez vous reposer, Corvo. Nous allons déchiffrer le contenu du journal du grand superviseur et nous en parlerons plus tard. Ok. Voilà, donc je vais t'arrêter là. Hein. Non, nous ne sommes pas dans le monde. Hein. On est dans ce monde normal. Normalement, en dessous, il y a une conversation. Juste ici. Même pas. Ah si, si. Vous avez de la chance que je chaque garde. Citoyen a le devoir de dénoncer sans moi, tout tomberait en ruine acte séditieux. L'État a besoin de vous. Vous ne pouvez pas me congédier. J'ai parcouru les lignes de compte ce matin et relevé 5 erreurs. Très bien. Heureusement que je les ai repérées avant l'amiral. Alors on va parler dehors, ils vont nous offrir une clé. Bonjour Corvo. Martin ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Désolé de vous cueillir avec une nouvelle aussi étrange, mais les domestiques ont entendu des bruits cette nuit dans les égouts qui passent sous nos pieds. Probablement un géniard, le pauvre diable. Ils n'ont aucun espoir de survivre à ce stade. Ce ne sont plus que des cadavres grouillants d'insectes qui se traînent lamentablement. J'aimerais que vous alliez voir ça de plus près. Je ne voudrais pas que ce soit un garde un peu trop curieux. Voici une clé ouvrant les grilles. J'aurais pu envoyer un domestique, mais il en serait mort de terreur. Si vous ne voulez pas l'achever, Pierrot vous donnera un somnifère où tremper vos carreaux d'arbalète. Ok. D'ailleurs, fléchette anesthésiante.
Je connais le golem. Corvo, cher ami, auriez-vous besoin de munitions ou d'armes? Je pourrais aussi vous fabriquer quelque chose. Non, c'est bon. Ok. Donc, on va aller chercher. What? Pas mal. On va aller chercher les runes qui sont en dessous là. Ici. C'est simple, faut passer par ici. Vieux message. Okay. Regardez comment elle est cachée cette enflure. Voilà. On va pouvoir lire quelque chose, je pense. Pouvoir. Allez, j'attends pour clignement. Fouiller un peu les égouts. Ok, d'accord, c'était ici qu'on était passé. Je me dis que j'étais passé une fois, moi qui me. Je m'ai pas vu. Donc. Je vais passer par là maintenant. Allez les œufs. Y avait pas des œufs quelque part ici? Voilà. On va pouvoir sortir, c'est ça. Ah, c'était si court que ça en fait. Vous êtes descendu dans les égouts? Il m'a semblé y entendre un génial tantôt. Vous êtes l'homme le plus courageux que j'ai jamais vu. Le superviseur Martin est ici. Il est avec l'amiral Havelock. Ils veulent vous parler. Ok. De la poussière partout. À croire qu'il n'y a que de la poussière. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire, Havelock? Ah, vous voilà, Corvo. Nous avons des choses importantes. Corvo, vous vous souvenez de Martin? Il était superviseur. Il sera peut-être à nouveau. Je vous remercie de m'avoir secouru. C'est vrai. Vous nous avez donné de l'espoir, Corvo. Nous avons trouvé ce que nous voulions dans le journal de Campbell. Vous avez réussi. Nous savons où Emily Caldwin est détenue. Au Golden Cat, de tous les endroits. Des bains douches pour aristocrates. À peine mieux qu'un vulgaire bordel. Mais il y a un petit problème. Il semble que les frères de Pendleton nous barrent la route. Les jumeaux, Morgan et Custis. Non seulement ils détiennent Emily, mais ils contrôlent les votes parlementaires dont nous avons tellement besoin. Oui, les Pendleton doivent mourir. Mais plus important, Emily doit être ramenée saine et sauve pour qu'on la protège, jusqu'à ce que le Lord Régent et son entourage soient renversés. Ok. Pendleton vous attend sur le quai. Il a demandé à vous briefer en personne. C'est mieux comme ça. Allez au Golden Cat. Okay. Corvo, un moment. Corvo, j'ai à vous parler en personne. Je vous envoie assassiner mes frères aînés, Morgan et Custis. Ce sont des monstres, comme vous le savez peut-être déjà. Des hommes cruels. Ensuite, mes frères sont de proches partisans du Lord Régent. Et tant qu'ils siégeront au Parlement, il nous sera impossible de rassembler les suffrages nécessaires pour l'empêcher d'asseoir son pouvoir. Ces derniers temps,
Ils profitent surtout de leur position pour s'approprier les richesses d'autrui. Disons que les familles expulsées ou mises en quarantaine pour cause de contamination n'ont pas toutes contracté la peste. J'ai vraiment tout tenté pour les mettre en garde, ou peu s'en faut. Mais autant m'adresser à un mur. Ils seront au Golden Cat ce soir, à festoyer comme à leur habitude. Ils seront protégés par la garde urbaine. Ce ne sera pas une mince affaire. Allez-y, vite, avant que je ne change d'avis. Arrête de boire. Voilà. Allez, on fonce. Je vous emmène au Golden Cat dès que vous serez prêts. J'ai déjà connu Lord Pendleton plus d'une fois. Allez. Trouvez Samuel sur les quais pour aller au quartier de la distillerie. Je vous dépose le plus près possible du Golden Cat, Corvo. Vous devrez vous débrouiller pour la fin du trajet. L'entrée est tout près d'Olger Square. Le principal, c'est de rapatrier la petite Emily. Avant qu'il ne lui arrive malheur. Les deux Pendleton sont là, du coup, ça doit grouiller de garde. Slack Joe peut peut-être vous donner un coup de pouce pour entrer au Cat, s'il ne vous tue pas. Ici, c'est son territoire. Avec son gang de Bottle Street, il se terre dans la vieille distillerie de whisky Dunwall. Ils vendent cet élixir, qui permet de lutter contre la peste. Je fais profil bas, mais je guette votre retour avec la petite. Bonne chance, Corvo. Je sais qu'Emily compte beaucoup sur vous. On y est d'auto. Soyez prudent dans cette rue, Corvo. J'ai croisé un batelier de ma connaissance hier soir. Il m'a dit que Clavering avait son propre mirador. Faut croire que la mort de Campbell a sacrément fauché de l'ordre. K.O. vos actions durées. Tuez beaucoup, vous verrez plus d'heureux et de génères, vous allez réagir différemment et vos actions aussi de conscience plus sombre. C'est la distillerie en même temps, non? C'est une quantité, mon ami. Fouiller. Allez, on y va. Attention citoyens de Dunwall, quiconque détient des informations sur la mort du grand superviseur Thaddeus Campbell est tenu de se présenter à la garde urbaine en ces temps de crise spirituelle des superviseurs. Eh, c'est justement toi que je cherchais. Slack Joe aimerait te causer. Ok. Juste après ton statue. Où est-il parti? Aller si vite. On part là. Voilà.
Charme d'os, nutrition. Je l'ai pas touché, c'est ça? C'est bon, Godin 4 là-bas ça m'intéresse pas. Du moins pas pour le moment. Le charme là-bas il m'intéresse. Le charme là-bas aussi. Et j'irai le staff. On ira dans une prochaine vidéo, on va le passer là. Hé, lâche-moi! Si c'est Slack Joe que tu cherches, il est à la distillerie. Avance, Slack Joe est là-dedans. Et bah on va arrêter cette vidéo là, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, mais n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire, on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut.